Alors bonjour, voici un autre tutoriel, là, le tutoriel B pour les taux de rotation. On se rappelle des formules. Taux de rotation, c'est les ventes divisées par l'inventaire moyen. Et notre inventaire moyen, on le calcule en prenant le stock de début plus le stock de fin et on divise le tout par deux. Bon, laissez-vous pas mêler là, par... les problèmes, que ce soit en argent ou que ce soit en unité, on applique toujours les mêmes formules. Alors donc, si, regardez dans le premier exemple que je vous mets ici, bon, je vous dis, j'ai un stock de début de 15 000 $, un stock de fin de 25 000 $, et j'ai fait des ventes durant mon mois de 75 000 pour une catégorie de produits quelconque. Trouvez-moi le taux de rotation. Ben là, c'est pas plus compliqué que tantôt avec les unités, là. Je commence par trouver mon inventaire moyen, c'est-à-dire mon stock de début plus mon stock de fin divisé par deux. Alors ici, je prendrais 15 000 plus 25 000 divisé par deux. Ça va me donner 20 000 $. Puis j'ai des ventes de 75 000. Bien, j'applique simplement ma formule bêtement, là. 75 000 divisé par 20 000 et j'aurai un taux de rotation qui sera égal à 3,75. OK, alors c'est pas plus compliqué que ça, là. J'aurais pu le faire en unité, mais je l'ai fait ici en argent. Puis ça donne, si je le faisais en unité, ça me donnerait aussi le même 3,75. Bon, je vous donne un autre exemple ici de problème, le numéro 2, là. Je vous dis que j'ai un stock de début 15 unités, stock de fin de 60 unités, que j'ai vendu 180 unités et je les ai vendues à 29,95 $. Là, je vous demande trois choses. Le taux de rotation et les ventes en dollars, puis le stock moyen en dollars en valeur de détail. Mais tout est là. On applique les formules. On va commencer avec le stock moyen. 15 unités plus 60 unités divisé par 2. Voilà, ça va donner un chiffre qui n'est pas rond, mais on va le prendre comme ça pour faire nos calculs. 37,5 unités de stock moyen. Hein? Et j'ai fait des ventes de 180 unités. Donc, mon taux de rotation, il va être quoi? Ben, il va être de 180 unités divisé par 37,5. Ça va me donner un taux de rotation de 4,8. Après ça, je vous demande les ventes en argent. Ben, c'est pas compliqué, les ventes. J'ai 180 unités ici que j'ai vendues à 29,95. 29,95 multiplié par 180, ça va me donner des ventes de 5 391 $. Puis après ça, je vous demande le stock moyen en dollars de détail. Ben, en unités, c'était quoi mon stock moyen? Mon stock moyen en unités, c'était 37,5. Donc, mon stock moyen en dollars de détail, ça va être quoi? Ben, ça va être 37,5 multiplié par 29,95 $ et ça va me donner 1123,13 $ sous. OK? Alors, pratiquez-vous à voir les choses dans leur ensemble quand on a un problème et non pas de oh, c'est pas comme le dernier problème, je suis plus capable d'appliquer. Oui, vous êtes capable. Réfléchissez, vous êtes très bonne. Moi, je vous trouve très bonne. Alors, donc, réfléchissez un peu, puis vous allez être capable de faire vos problèmes de façon simple. Il suffit de bien lire ce que vous prenez pas le temps souvent de faire. Ça vous va? Alors, bon, ben, je vous mets ça sur le site.